aujourd'hui, c'est qu'on a des choses à dire, des choses à proposer, et surtout, qu'on doit se révéler. Là, aujourd'hui, c'est un poste en maternelle et un poste en primaire qui vont dégager. Sur Aix-les-Thermes, on n'aura quasiment plus d'intervenants informatiques. Les calculs, parfois, de l'éducation nationale, j'ai un peu de mal à les suivre. Tout doucement, tout s'en va, et tous ces services, c'est important pour toutes les collectivités. Les services doivent rester, pour ça, eh bien, il faut qu'on se lève et qu'on dise qu'il y en a assez aujourd'hui. À force de fermer, qu'est-ce qui restera dans ces villages, dans ces montagnes? Parce qu'il ne faut pas oublier, les gens qui la font vivre, c'est les gens qui y vivent. Ce petit flocon aujourd'hui qu'on fait là, que ce petit flocon fasse une grosse boule de neige, une avalanche d'envie, une avalanche d'espoir, qui monte jusqu'à Paris et qui fasse trembler l'Élysée. Normalement, dans notre pays tel qu'il est constitué, sur les valeurs qu'on a et les valeurs qu'ont défendues nos aînés, c'est tout le département de l'Ariège qui devrait défendre ses écoles. Il suffit qu'on soit tous ensemble et qu'on se mobilise pour mettre à bas cette volonté politique. Et on n'est pas assez nombreux aujourd'hui. Il faut que les gens se secouent un petit peu. Il faut montrer qu'on en a. Il faut montrer qu'on a des idées. Et il faut l'ouvrir, bouger. Il faut que la montagne gueule et que ce soit un cri d'espoir pour 2011 pour tous les territoires. Je suis Marianne. Savez-vous qui est Marianne? Marianne est le symbole de la République française. Par là même, elle représente les valeurs républicaines qui sont liberté, égalité, fraternité. Et c'est pour la défense de ces valeurs que nous sommes là aujourd'hui. Parce que la montagne est un lieu de vie à part entière. Parce que la présence des services publics, écoles et postes en particulier, constitue en montagne un facteur essentiel d'attractivité et d'ancrage de la population. Parce que les élus de la montagne et ses habitants ont des projets de développement pour lesquels la présence de services publics est une condition incontournable de réussite. Tous les Français qui considèrent que le rôle de l'État est de défendre une égalité de service entre tous les citoyens. Tous ensemble, soutenons ce manifeste. Tout en Seigneur, un nouvel espoir est né.